Et elle fait ça comme ça. Il y en a qui vont appuyer là-dessus. Parce que vous dites, ça permet, ça fait comme si vous voulez tenir. La Bible me le dit. C'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible me le dit. Juste vainqueur est sorti de la tombe, voilà l'agneau divin. Vous pensez que la façon que vous disposez, on peut travailler là? Vous êtes fatigué? Non. Tu sais chanter? Est-ce que tu veux savoir chanter? Dieu nous a visité. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire. Nous recevons des cris. Ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit arrive. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier le rend tout seul élevé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, tu parles. Bon. Que Dieu vous bénisse. On y va? Bonsoir en Allemagne. Bonsoir. On a toujours dit que les Allemands sont solides. Lorsqu'on achète des voitures, on dit que non, si c'est une voiture en Allemagne, c'est bon. Lorsqu'on voit les anciennes constructions des colons, on dit non, ça c'est les constructions allemandes. C'est solide. Même le climat est solide au point où les prévisions météorologiques sur la ville de Francfort donnent en présage 14 degrés, c'est-à-dire 2 degrés de plus que jeudi. Alors, on va travailler dans cette dureté avec la parole. Donc, il faut qu'on fasse que la parole soit dure de la même façon. La parole allemande est dure, pas vrai? Amen. Prenez seulement la Bible allemande et voyez, vous-même, vous voyez comment c'est toujours dur, même à lire. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-on prier? Que le Seigneur, je crois que c'est mieux de rester ici pour pouvoir rester bien avec ton truc, pas vrai? Alors, que le Seigneur vous bénisse, prions. Ceux qui sont en haut, ceux qui sont allés manger en haut, là, Allemagne dans la sainteté en direct, bonsoir. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu disposes encore au devant de nous. Dans cette autre session, nous prions Dieu de gloire que tu nous y conduises. Nous prions que tu accordes force et pouvoir pour ta gloire à tous ceux et celles qui sont ici et celles qui ne sont pas encore présentes.
Je prie particulièrement, Seigneur, que tu leur accordes ce dont leur cœur désire. Bien plus, Seigneur, merci pour la marque de distinction. Ton esprit que tu mets pour ton peuple, que tu te disposes. Merci pour ces écluses-là, au Dieu de gloire, qui va bientôt s'ouvrir sur nous. Que ton nom soit glorifié au nom de Dieu. Seigneur, nous attendons ce jour grand et merveilleux. Nous attendons ce jour que tu vas commencer pour nous. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé. Nous recommandons entre tes mains maintenant que ta parole, au Dieu de gloire, détruise les forteresses et détruise, au Dieu de gloire, tous ces rochers, toutes ces flèches-là contre ton peuple. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Des questions? Maintenant, travaillons avant que vous allez dormir. Pourquoi recommandons? Demain matin, nous commençons à quelle heure? 11h. 11h, c'est ça? Donc, 11h, on commence. Je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas comment ça va se préparer, mais je sais qu'il y a du travail ici. Donc, on peut commencer. Alors, on se lance. Les anciens catholiques, là, racontez-nous. Avez-vous des questions? Oui, ma chère sœur. Non, anciens catholiques, non. Oui. Dis-nous alors. Tu as demandé, non? Oui. Il dit, dites-nous. Tu as levé la main. Oui. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu es ancien catholique. Non, je ne suis plus dedans. Tu n'es plus dedans. Ça se passe comment? Ta sœur est en Belgique, ça s'est bien passé, ils ont bien mangé là-bas. Elle vient encore ici, encore. Elle quitte la Belgique pour venir en Allemagne pour manger. Ça a tout le niveau. Oui. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais vous expliquer quelque chose un instant sur la personne du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de questions, avant que vous dormiez. Vous avez lu dans votre Bible que quand l'homme est dans un profond sommeil, Dieu met le soir à ses instructions. Amen. Comment vous pensez qu'il met le soir à ses instructions alors que nous sommes en train de dormir? Dans ce livre des Job, chapitre 33, verset 14, on dit là-bas que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Lorsque nous sommes, l'homme est livré au sommeil, Dieu vient. Il met les soirs des instructions pour donner des avertissements. Comment il le fait? Avez-vous déjà réfléchi sur les songes, les visions, ce que vous voyez qui arrive? Vous pensez quoi au juste? Avez-vous déjà remarqué, peut-être, vous dites quelque chose sans avoir pensé la chose? Et la chose que vous avez dite arrive et se réalise? Vous pensez quoi, non? Le livre de Proverbes chapitre 16, voilà. Tout à l'heure, quand nous étions en pause, vous babadiez. Vous aviez des questions, vous avez des commentaires, des témoignages. Et bien maintenant, avez-vous des questions? Personne ne parle. Avez-vous le sujet? Les anciens catholiques parlent. On me dit qu'on parle de quoi? On a un sujet, mon frère. Quel sujet, aussi? Il a aussi conduit d'abord qu'il pose des questions. Vous avez des questions? Ah, c'est plus intéressant que les catholiques et la madone. Ah non, c'est elle qui a la madone. Moi, je vous pose la question. Vous faisiez comment pour rester à l'église catholique comme ça, s'asseoir? On dit des choses. Comment? Je ne comprends pas ça. Quand vous asseyez là-bas, on vous parlait de Dieu. Vous partiez seulement comme ça? Non, on disait juste les passages du jour, comment faire dans les livres liturgiques là. Oui. On sait que ça a dit tel jour, c'est telle première lecture, c'est ci, deuxième, c'est ci, troisième, c'est ci, et puis voilà. Et quand vous rentrez, vous êtes satisfait? Jusqu'à quand on ne parle pas les livres, on pourrait me tomber malade. On était souvent empêchés jusqu'à. En tout cas, nous on savait qu'on partait à l'église juste pour remplir des formalités. Non, non, moi. Tu voulais, donc tu partais à l'église comme ça, tu t'assois pour dire, quand tu sortis, regarde Dieu là-haut.
dit que je suis allé aujourd'hui. Donc, puisque la doctrine catholique disait qu'il faut aller à l'église tous les dimanches, au moins une fois la semaine, bon, pas obligé, mais au moins une fois. Aller à l'église, le week-end est compliqué. Aller à l'adoration, oui, au moins une fois la semaine. Comme ça, comme on vivait au Et gêner au moins une fois l'année en bas. C'est avec raison qu'on appelle ça service religieux. Et on devait aussi rosser le concert. Donc pour l'autre, là, ça c'est votre nourriture quotidienne. Et nous, on savait que si tu as fait un truc qui n'est pas bien, tu cours, tu pars là-bas. Tu dis au prêtre. On te dit le rosaire 10 fois, dis notre père 10 fois. Tu t'assois, tu récites, puis tu pars, tu dis. Et vous étiez au courant de que c'est le mensonge, ça? Non. Vous voyez effectivement que Dieu. Oui, ça a pas commencé. La Bible déclare Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle tous les hommes en tous les lieux qu'ils aient assez repenti parce qu'il a fixé un jour il jugera les hommes. Donc ça veut dire que l'homme soit n'importe où, il doit se repentir. Normalement le sujet du Seigneur devrait nous poser des questions, devrait poser une question à l'homme. Les questions telles que d'où venons-nous? Où irons-nous après la mort? Pourquoi la mort devrait trouver une réponse qui doit conduire les gens vers Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et cet homme, en se posant des questions, en disant, où est-ce que je suis, d'où est-ce que je suis sorti? Il va se confronter à différentes théories mises par Satan pour dérouter les gens. Écoutez tout attentivement ce que je dis, avant qu'on aborde tout ce qu'on va aborder là maintenant. Il dit, un être humain normal, et que si vous êtes normal, normalement, vous devez passer par ces questionnements. Lorsque vous posez la question, d'où vient l'homme? Quand vous vous asseyez seul à seul, sans les êtres humains ou bien sans toutes les choses, les questions normalement doivent vous revenir. D'où vient l'homme? On est venu comment? Vous allez arriver jusqu'à si vous dites, vous allez prendre la possibilité que si Dieu lui-même est lui, il sort d'où? C'est là quand tu seras bloqué, tu vas encore le demander. Cette question m'était déjà arrivée. Oui. Voilà. À un moment donné, je comment disais, mais si le monde, enfin, j'essaie d'imaginer le monde, s'il a créé le monde, c'est sorti d'où avant qu'il ne crée le monde? Lui-même, il est sorti où? En fait, à un moment donné, j'étais bloqué, j'ai dit que non, viens, tu vois, c'est le mur. Toi également. Oui, toi également. Après, je vous êtes les bienvenus derrière le monde des croyants. Donc, vous voyez effectivement que cette personne-là qui a dû créer ces choses qui sont insaisissables, savait que je me tiendrai ici parlant de ces choses aujourd'hui avant de dire que la lumière soit. C'est impensable, ça, c'est incroyable. Donc, il t'en a dit, donc, avant que vous posiez, quand vous ayez posé ces questions-là, vous allez vous trouver confronté avec certains différents éléments de réponse. Ces différentes possibilités de réponse, il ne faut pas les éliminer. C'est à dessein que Dieu a permis que ça soit dans le monde. Il dit, mais toutes les réponses qui collent à ces questions-là et tous les autres corollaires sont des éléments que Dieu lui-même a voulu que ça soit là. Parce que s'il n'avait pas voulu que ça soit là, il aurait bloqué que tout n'arrive qu'on le sache, qu'on le connaisse. La Bible déclare dans le livre des Job que c'est un Dieu qui se cache. Il se cache de qui? Comment il fait pour se cacher? Vous avez vu, non? Tout à l'heure, depuis qu'on était là, il n'y a pas de bruit. Mais maintenant, ici, vous parlez, c'est le bruit qui commence. Vous allez trouver dans les évolutionnistes, ceux des théories de Big Bang et de Darwin, donc. Vous allez trouver. Cette théorie-ci sort de l'Académie des sciences spirituelles démoniaques qu'on injecte sur la terre pour montrer à l'homme que tout a une explication scientifique. Et quand on dit tout a une explication scientifique, il faut aller quand même vers la genèse, donc le commencement des choses, à la création. Et puis on peut donc dire que l'homme a apparu il y a cela 10 milliards d'années. L'homme a apparu. Ça contredit. Quand vous allez prendre tous ces événements-là, avant de les analyser, pour arriver à là où vous allez accepter que oui, j'accepte cette théorie-ci, il va falloir que vous rencontrez vraiment des obstacles pour avoir le raisonnement clair et précis sur ce que vous êtes en train de croire. Alors, ça va rencontrer la théorie de Louis Pasteur qui dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les médecins en savent quelque chose par rapport à cela. Quelque chose ne peut pas venir comme ça, ça doit venir de quelque part. Donc, la théorie commence à avoir des problèmes. Donc, l'homme n'est pas apparu. Non.
L'homme n'est pas apparu comme ça. Toute la terre, tous les éléments sont constitués au moins de trois éléments. L'azote, l'oxygène et le dioxyde, quoi, l'oxygène avec l'hydrogène. Ces trois éléments-là font un homme. Mais il faut aussi que l'azote, l'oxygène aussi, soit formé à partir de quelque chose. Jusque-là, ça ne s'explique pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? À cet endroit-là, quand vous êtes buté, vous allez confirmer. Maintenant, la théorie de Big Bang. Quand on entend Bang, vous entendez un son. Donc, le Big, c'est-à-dire grand, Bang. Quand il y a une explosion, boum! Une explosion, oui. Voilà, nous. Ah, c'est la théorie de l'évolution. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un choc à un moment donné. Et puis, les choses sont mises sur place. À cet instant-là, appelé T0. Ça, c'est la théorie de Big Bang. Donc, ça veut dire que deux atomes supposés aller en sens contraire. On commence à avoir des problèmes avec cette théorie. D'où se retrouvent les deux atomes? Ils partaient où? En sens contraire. Qui leur a communiqué la vitesse initiale qui est la vitesse de la lumière? Parce que dans le vide, ça va à la vitesse de la lumière au sens contraire. Et là, nous parlons des atomes qu'on ne voit pas. Parce que l'atome, tu ne vois pas. Les particules, tu ne vois pas. Ils sont en train d'être bombardés. Au CERN, en France et en Afrique, où il y a la frontière entre la Suisse, là, au CERN, on était là-bas la dernière fois. En bas, se trouve un tunnel où ils ont creusé cette chose-là pour bombarder depuis des années. Vous voyez la folie de l'homme, n'est-ce pas? Et c'est ça, avec ça, qu'ils ont créé quelque chose qui va détruire la Terre. Là, en Suisse, là. C'est avec ça qu'ils ont utilisé pour détruire la Terre. Ils disent non. Alors, ces deux particules-là, ouais, dans ce tunnel, ils sont de vouloir créer ces genre de choses, des particules, pour pouvoir faire l'interdimension. Que ça explose. Vous allez voir comment la planète va bouger. Alors, ces deux particules-là, dans le vide, quelle est la probabilité pour que quelque chose qui ne se voit pas se touche dans tout l'univers? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et même si ça s'est touché, qui a coordonné pour que... Parce que si vous et moi, on se retrouve en Allemagne, on est allé quelque part sans se parler, il y a une chance sur 1 million qu'on se rencontre. Parce que vous pouvez vivre dans cette même ville, c'est même dans le même quartier pendant 100 ans, vous ne vous rencontrez jamais. C'est pas vrai? Imaginez donc dans l'univers, parce que la Terre c'est une petite partie, une infinissime portion dans tout l'univers. Nous parlons là du point de départ de la vie. Et donc, ça veut dire que ces particules-là sont rencontrées. Donc, quelque chose les a poussé à aller dans cette direction pour se rencontrer. Bien plus, en admettant que ces probabilités-là soient réalisables, parce que c'est ce qui était réalisé, on commence à se poser le problème. Oui, il y a eu une explosion. Donc, quand il y a explosion, les choses se mettent en ordre, frère. Quand deux motos vont en sens contraire à 60 km/h, ou bien un enfant seulement, toi-même, quand tu as envie d'aller dans une maison et qu'on ouvre la porte, ça cogne ta tête. Parce que la porte vient devant toi, ça cogne la tête. Nous, même à 10 km/h, ta tête est en ordre pour la maison. Vous voyez que la théorie de Big Bang ne marche pas, non plus. Alors, on va par élimination de cas jusqu'à ce qu'on trouve quelle est l'origine. Pour savoir qui a conçu la lumière, pour regarder les lois de Kepler, si vous reprenez le cahier de Kepler, ou bien d'Einstein, ou bien de Bohr, ou bien n'importe qui, ou bien de Schneider, Descartes, vous lui demandez, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Vous l'appelez. Vous voyez, comme aujourd'hui, je vous ai expliqué les processus sur le Cameroun, ce que j'ai dit en détail, en donnant les noms et les positions, pas vrai? Comme je vous l'ai dit là maintenant, quand les choses, Jésus dit les choses en parabole, on dit en secret, il expliquait à ses disciples. Mais pour ceux qui vont lire le parabole, ils pourront dire il en a dit ici parce qu'il en a dit ici parce que mes disciples connaissent ce qu'il en a dit. Pas vrai? Alors, il faut donc aller. Si quelqu'un a fait sa chose, il faut lui poser la question. D'accord? Comment tu as fait? On prend un seul élément. Un seul élément. Un élément. La Bible déclare qu'il y a une. Les déluges sur la terre. Oui ou non? Là, c'est prouvé scientifiquement, pas vrai? Ça, c'est prouvé scientifiquement. Là n'est pas l'élément. On peut dire peut-être qu'au temps de Moïse, il y avait des scientifiques qui avaient étudié pour savoir qu'il y avait des déluges. N'est-ce pas, mes frères? Au chapitre 8 de Genèse, il dit que lorsque les eaux se sont diminuées, dans ce livre de Genèse, on dit que lorsque les eaux se sont diminuées, on commence à baisser sur la terre. L'âge de Noé s'est posé, et la Bible est formelle, sur le mont Ararat. N'est-ce pas? Dans la Caucase actuelle, vous connaissez là-bas la Caucase, dans les plaines de Caucase. Oui ou non? Les expéditions sont allées là-bas, ils ont vu l'âge. Oui ou non? Oui.
alors on a des problèmes. Vous n'avez pas le choix que d'admettre que la personne qui a dit à Moïse que ça s'est trouvé là-bas, parce que Moïse n'a jamais été là-bas. Il n'avait aucune preuve scientifique pour pouvoir savoir que ça se trouve là-bas. Seul, parce qu'il n'y a personne sur la terre. Donc, ça veut dire que s'il y a le déluge et que ça a détruit la terre et que la personne qui est descendue avec l'arche là-bas, déposée là-bas, dit que, écrit que c'est à tel endroit et qu'on trouve ça là-bas, c'est cette personne qui est digne de foi. N'est-ce pas, mes frères? Alors, il a dit que l'arche s'est trouvée là-bas. Pendant des milliers d'années, les gens ont fait des suppositions jusqu'à ce qu'un avion, même du président, passe là-bas de ce côté. Ils ont vu quelque chose là-bas dans quoi au haut de l'eau. Et puis ils ont envoyé des recherches scientifiques là-bas. Ils ont vu que l'arche derrière, ça se trouve là-bas, dans la zone où on avait dit dans la Bible. Sur cette base-là, même si vous dites n'importe quoi par la suite, je crois à la Sainte Écriture. De toute façon, même si vous n'y croyez pas, même s'ils partaient là-bas, ils ne voyaient pas, parce que ce n'était pas obligé que l'arche soit toujours là-bas. Même s'ils ne croyaient pas, la Bible est quand même vraie. Vous voyez ça, frère? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il ne dit pas Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez, quoi que j'ai un pasteur sur YouTube qui s'est fâché parce qu'il a dit que vous êtes ici en Amérique, le ciel c'est en haut. De l'autre côté du globe, c'est quelqu'un de soleil, le ciel c'est en haut. Donc pour lui, en haut c'est pas comme ça. L'autre en haut c'est comme ça. L'autre en Afrique, ici, en haut c'est comme ça. Il dit que finalement Dieu n'est nulle part. Voilà sa preuve pour montrer que Dieu n'existe pas. Exactement comme les Sadducéens. Exactement comme les Sadducéens. Il dit que celui-ci, si c'est Marie, ils n'ont pas d'enfant, ils vont prendre l'enfant. Duquel? Qui sera là-bas? Vous voyez cela? Il ne se pose pas la question, c'est en haut par rapport à qui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, il ne pose pas de questions. Il a, à cause de ça, il a tiré la question pour taper la Bible du côté que la Bible est fausse. Mais il s'appelle pasteur. Et c'est dans cette Bible-là qu'on appelle les pasteurs. Pas vrai? Voilà la folie de l'homme. Alors, on a de bonnes questions à se poser. Quand vous avez fini de poser ces questions, et que vous avez la réponse, vous avez éliminé la science. Éliminé la science, que la science n'a pas d'explication à l'origine de l'homme. Ça, c'est l'origine. Pour le vécu, on n'essaie pas de maîtriser. Pour là où on part, on n'essaie pas de maîtriser. Il faut que vous posiez la question à la bonne personne. Et donc, toute question biblique reçoit donc une réponse biblique. La Bible, donc, est habilitée à répondre à nos questions. Du pourquoi du passé, du pourquoi du présent. Et de là, on va dans le futur. Vous voyez, la Bible est totale et définitive et a autorité dans ces questions-là. Maintenant, qui est Dieu? Comment il vient? La Bible déclare justement que le nom de Dieu montre clairement qui il est. Comment il s'est formé? Comment il doit se former? Pourquoi il doit se former? Il est grand, mais sa grandeur, on ne connaît pas. Parce que grand, c'est ce que nous utilisons comme terminologie dans notre monde. Bon, quand vous dites que Dieu est grand, grand par rapport à quoi? Est-ce que vous savez vraiment votre forme vous-même? Connaissez votre forme? La forme d'un esprit, c'est quoi? Ça peut dépasser. Ça t'a dépassé, n'est-ce pas? Ça peut dépasser ce qu'on peut imaginer. Voilà, notre imagination. Maintenant, prenons un exemple simple. Si vous lisez l'autre livre dans le dernier chapitre 10, on dit qu'un ange est venu, ou bien même de l'Apocalypse, quand il posait son pied sur la mer, l'autre sur l'eau, sa tête touchait le soleil. Vous connaissez la distance entre la terre et le soleil? L'étoile la plus proche de nous, vous connaissez à combien d'années-lumière? L'étoile la plus proche de nous, vous connaissez à combien d'années-lumière? Ça se trouve, frère? Alors, les scientifiques disent que le jour où l'être humain sera capable de créer un espace, un appareil qui pourra faire la moitié de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 150 000 km par seconde. Quand cette fusée-là pourra être là, qui dispose de cette vélocité-là, pour aller à l'étoile qui est la plus proche de nous, il faudra 20 ans pour aller et 20 ans pour retourner. Donc, il faut le constater pendant 20 ans. Donc, il faut donc trouver le défi du carburant d'aller. Ça veut dire que tu vas faire combien d'années aller-retour? Entre-temps, des milliards d'années seraient passées sur la Terre parce que vous êtes dans une autre dimension. Donc, si tu viens ici sur la Terre, peut-être la fin du mois, il y a eu lion, je ne t'ai pas vu. Et si tu viens maintenant, si la Terre est devenue plate maintenant, tu comprends que tu entres dans une autre orbite. Vous voyez le problème qu'on a en effet. Et là, maintenant, cet ange qui se tient ici en bordure de mer, on dit sa tête touche. Je veux que vous compreniez la chose. Donc, la distance entre lui, son pied se trouve sur la Terre, sa tête se trouve dans le soleil. N'est-ce pas, mes frères? Et pour que l'homme qui décide pour aller sur l'étoile qui est plus proche de nous, qui n'est pas le soleil, il faut 40 ans pour y aller et retourner. Mais à condition que vous ayez au moins la moitié de la vitesse de la lumière, un appareil qui roule à cette vitesse-là.
Mais entre-temps, si vous faites ça, vous réalisez même cela, des milliards d'années se seraient passées. 5 milliards d'années se seraient passées. Vous faites comment? Ça veut dire que tu vas rentrer comme ça là. Peut-être les gens sont devenus comme ça, comme hier. Et donc, cette personne-ci, imaginez donc que les démons sont des anges déchus, pas vrai? Imaginons dans cette catégorie, dans son catégorie, qui a été déchu, qui vient entrer donc dans un corps. Je pose la question, quelle hauteur a-t-il donc dans le corps? Ou mieux encore, comment font-ils pour être dans le corps au nombre de moins 6000? Comment? C'est quand vous comprenez ce que la question que je viens de poser. Alors, l'esprit n'a pas de dimension finie et définie. Il peut prendre n'importe quelle forme. Un peu comme l'eau. Vous mettez dans la bouteille, ça épouse la forme de l'eau. Là, le gobelet, ça prend la forme du gobelet. Vous voyez? L'esprit qui était dans l'homme qu'on a chassé est entré où? Dans le pot, maintenant, il était à 4 fois. Quand il est debout, il était là pour se meurtrir. On ne peut pas l'arrêter. Parler de Bible. On y va, frère. Amen. La Bible est digne de confiance. Amen. Digne de confiance. Mais je vais vous parler un peu du Saint-Esprit. De la personne du Saint-Esprit et de son agissement. Comment s'abandonner au Saint-Esprit? Qui vous dit que ce que vous faites est juste? Proverbe chapitre 16, donc. Comme je lui ai demandé que vous ouvrez. Vous y êtes? Mais vous êtes fatigué, c'est en Allemagne? Non. Ah! Proverbe, le chapitre 16, verset 1. Qu'est-ce que ça dit là? Qui pourra nous lire ça? On n'est pas encore ouvert. Les Allemands sont forts. Le frère Médine ne peut raconter aucune histoire ici. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Dans ce cas, voilà, nous y sommes maintenant. Les projets que forme le cœur. Vous couchez sur le lit comme ça là. Vous en êtes réfléchir pour faire un truc. La Bible déclare la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. J'ai posé la question tout à l'heure. Avez-vous déjà remarqué que souvent vous pouvez dire quelque chose sans savoir, sans avoir prémédité cela? Pour que cela arrive. Vous êtes avec moi? Ok. Luc chapitre 17. J'attends des questions. La Bible est digne de confiance. Quand vous voyez les gens développent toutes les théories autour de la Bible, remarquez très attentivement combien de siècles la Bible a traversé. Et à chacune des siècles, à chacun des siècles, la Bible a eu des confrontations. Et au sommet de ces confrontations-là, l'Église catholique a voulu rassembler les Bibles et détruire dans les anges, genre les anges des ténèbres. On a installé les mystères sur la Bible, que si vous tapez la Bible sur votre tête, cette fois vous allez devenir fou. Vous lisez toute la Bible, vous allez devenir fou. En réalité, vrai au sens propre du terme, si vous lisez vraiment bien la Bible, vous serez vraiment fou. Parce que la réalité que vous allez voir maintenant, ce sera différent. Parce qu'en lisant les scènes écritures pour comprendre la révélation qui se trouve, vous serez un fou pour le monde. Pas au fou au sens de la folie des mots dont les gens parlent dans le monde. Dans ce chapitre 17, donc, le Seigneur Jésus va donner quelques injonctions aux apôtres. Allons-y, à partir du verset 1. Nous sommes dans Luc chapitre 17. Parce que Marc n'est pas 17, c'est le chapitre. On y va. Entrez les sœurs, hein, les sœurs allemandes. Vous avez la nourriture à main. Il n'y a pas de problème, nous sommes allés manger les nôtres. Entrez. Que le Seigneur vous bénisse. Vous n'avez rien perdu, on vient de commencer, d'accord? Au moins, avec quoi avec ça maintenant, les gens, en voyant ça, le sommet n'a pu venir. Bonsoir en Allemagne. Bonsoir. Oui, les Allemands, quand on était en Belgique, c'était pas comme ça, n'est-ce pas, ma soeur? Voilà. Ici, on nous fait manger seulement pour dormir. On dit, monsieur le génie, tu manges la parole. Non, mange si tu dors. Les gens, comme on a dit qu'il y a jeûne demain, vous allez manger le prolongement pour que si ça n'arrive. À ce rythme-là, vous aurez plutôt le mal de ventre durant le jeûne. Luc chapitre 17, à partir de 1, mon frère Benjamin. Jésus dit à ses disciples, connaissez les disciples qui n'arrivent pas de scandale. Oui. Malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que cette fois il vienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras.
Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de cénévre, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, approche vite, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sens-toi et sais-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il fait ce qu'il est ordonné? Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandaient à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il lui répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint et les fit tout périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur le ciel, il les fit tout périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la recouvrera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moucheront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, là s'assembleront les airs.
17. Avez-vous lu qu'il faut qu'il s'ouvre et qu'il soit végété par cette génération? Quelle génération? Génération sexy. Non, celle-ci. Ah. Une grande génération sexy. Celle-ci. Ok. Pourquoi on le rejette? Il veut parler du sel, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et il dit, souvenez-vous, il dit à ses disciples, là, c'est pas au peuple. Il dit à ses disciples que les jours viennent où vous pouvez voir dans le jour des fils de l'homme. Il dit qu'ils ne pourront pas voir. Pourquoi cette génération s'il ne rejette lui la parole? Pourquoi? Ou mieux encore, comment est-ce qu'on le rejette? Ils obéissent à la parole, ils n'enlèvent pas de Jésus. On va aller doucement. Parce que tout ce que vous avez dit là, c'est ça. Quelle sont les façons de rejeter Jésus? Là, il allait parler à gens pour gens qui sont physiques. Lui et la parole fait chair. Pas vrai? Et lui et la parole sont un. Maintenant, il dit que cette génération, il faut vraiment qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Physiquement, vous direz peut-être que si j'avais été là, ouf, comme on disait la Bible, les juifs qui étaient là, comment ils ne vont pas parler de toutes ces choses-ci? Je pose la question à la Bible, est-elle même hier, aujourd'hui, pour toujours? Est-ce que nous ne faisons pas la même chose pour les juifs là? Sinon, pourquoi avons-nous les différentes croyances alors que la même Bible est là, c'est identique? Vous voyez, vous n'avez pas? Je suis en train de me laver le mot de donc, ça, c'est une tragédie de la Bible de moi. C'est-à-dire qu'on rejette Jésus en même temps, en raisonnant dans leur manière, n'est-ce pas? On est en 2018. Il faut moderniser. Exactement. Oui. Donc voilà une façon de le rejeter. Pourtant, lui, il dit quoi? Il est le même hier aujourd'hui. Éternellement. Et on continue. Quelles sont les différentes façons de rejeter? Pour vous, le livre des Philippe, Jean, c'est quel livre? Jean, le chef. Oui. Chapitre 6, verset 60. 8, verset 63. Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6. Verset 60. Qu'est-ce que ça dit là? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est Dieu, qui peut l'écouter? Vous l'avez entendu? Il a seulement parlé. Il a seulement parlé. Et les certaines disciples disent, cette parole, si c'est grave, qui peut l'écouter? Continue le verset. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, lui dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Lui dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est bon. Je vais parler du Seigneur. Elle est l'aspect. Savez-vous que le Saint-Esprit peut agir, parler, entrer en action, vous ne savez même pas qu'il était là? Savez-vous que le Saint-Esprit peut entrer en action, faire ce qu'il a à faire, quitter la scène sans que personne ne sache ce qu'il a fait, ce qu'il voulait faire? Le Seigneur Jésus dit ici que les paroles que vous dites sont esprit et vie. C'est quoi esprit et vie? Les paroles que vous dites sont esprit et vie. Souvenez-vous de cette parole-là, verset 30, verset 70. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu ces discours, disent cette parole est Dieu qui peut écouter. Jésus leur répond, mais si vous avez entendu ceci, là, ça vous a scandalisé. Si vous me voyez, vous pourrez vous retourner d'où je suis sorti.
C'est que vous allez souvent tomber dans les quatre fois. Il dit la chair de sel derrière, pas de la chair de sel arrière, derrière. Qu'est-ce qui vous parle? La chair de sel derrière. Pourtant, on avait parlé de la parole. Il dit les paroles que je vous dis sont esprits de Dieu. Quand vous avez les paroles du Seigneur Jésus-Christ, où il parle de feu qui est descendu du ciel, je suis venu pour pas pour faire ma volonté. Après, je vous dis cela afin que vous soyez sauvés. Jésus ne dit pas, vous êtes sauvés pour que vous soyez sauvés. Les paroles en les disant, vous êtes sauvés. Quelque chose ne va pas. Regardez. Si vous lisez le livre de Luc, de Marc au chapitre 4, en prenant à partir du verset 14, si vous prenez à partir du verset 7, Dieu, à la suite du baptême des gens, et que à l'introduction de Jésus, on dit dès cet instant-là, il commence à prêcher en disant, repentez pour croyez à la bonne nouvelle, car le royaume est venu vers vous. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Si je repens, tu crois à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La parole. Si c'est la parole, ils avaient déjà, parce que vous voulez que le royaume de la parole. Quelle est la bonne nouvelle? C'est Jésus. Mais avant ça, oui, ma chère. La vie éternelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est la vie éternelle. Mais ça veut dire qu'ils avaient la loi de Moïse qui était la parole de Dieu. Ils avaient la vie éternelle alors. Vous voyez, on a le problème. Croyez à la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est quoi? Comment? Dieu c'est la bonne nouvelle. Et vous, il vous pose des questions. Vous allez donner tout à l'heure, poser des questions. Vous n'avez pas posé. Moi, je vous pose des questions. C'est pas la parole qui prend vie en vous. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, Jésus dit, croyez à la bonne nouvelle. La vie éternelle. Croyez à quoi? La vie éternelle. À la vie éternelle. Ça dit comment? Donc, la bonne nouvelle, c'est comment? Je ne veux pas de Saint-Esprit, c'est pour que ce soit bien conscient. Je vous dis, le Saint-Esprit fait entrer en action. Parler, faire ses actions. Vous pensez que le rencontre du temps des Dutoum, ou bien du prophète Hassan, ou bien encore de Josaïe. David qui prend sa habile à nous les jouer par exemple. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse ton nom de mon témoin sur pied. Il a dit que pour pousser sa beauté, frère. Il est en train de chanter. Mais qui parle? Saint-Esprit. Mais qui parle? Et c'est Jésus qui vient dire. De qui le Messie est-il fils? Le Christ est-il fils? De David. Et bien dans ce cas, comment David est animé par le Saint-Esprit, l'appel du Seigneur, comment il peut-il être son fils? Vous voyez cela? Le fils de l'homme, parce qu'il est pécheur. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est comment David a pu faire savoir à cet état qu'il est le Seigneur. Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit? L'esprit descend subit comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Quel est ce temps? Le temps est accompli.
à la bonne nouvelle. Or, si vous remarquez, l'île verset 1, verset 1, c'est même marque, allons-y. Au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Esaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui te parlera ton chemin. C'est la voix de celui qui vit dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Regarde, il est un peu le verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Stop. L'évangile, ça veut dire quoi? L'évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Il est encore. Commencement de la bonne nouvelle de qui? Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Stop. Maintenant, versets 14 et 15. Après que j'ai été livré, je suis allé dans la Galilée. Jésus. Prêchant la bonne nouvelle de Dieu. Pardon, la bonne nouvelle de qui? De Dieu. Verset 1 a dit quoi? La bonne nouvelle de Jésus. Donc Jésus. Donc Jésus lui en a annoncé la bonne nouvelle de qui? Suis bien sur la question. Jésus en a annoncé la bonne nouvelle de qui? De Dieu. Attends, ça c'est là-bas. Lui la nouvelle, ça se trouve là-bas. Verset 14 et 15. Dès que Jean. Après que Jean eut livré l'évangile, Jésus alla dans Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il allait prêcher l'évangile de Dieu. Lis le verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Maintenant, dans le livre de Luc, chapitre 17, on nous pose la question quand est-ce que ce royaume-là arrive? Il dit le royaume de Dieu ne vient pas comme pour frapper les regards. Parce que voici le royaume de Dieu au milieu du monde. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de lui-même. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, la Bible parle des cinq royaumes qui seront sur la terre. N'est-ce pas? Et au quatrième royaume dans lequel nous sommes, la Bible déclare que le Dieu du ciel va susciter un autre royaume qui va détruire tous les autres royaumes aussi, les autres quatre royaumes, parce que les quatre, les trois premiers royaumes sont inclus dans ces royaumes-ci. Vous suivez, n'est-ce pas? Les quatre premiers royaumes, les trois premiers royaumes qui sont avant ces royaumes-ci, sont inclus là-dedans, parce que les effets de ces royaumes se trouvent là-dedans. C'est ces royaumes qui ont disparu. Que ce soit pour les Grecs, les Babyloniens, pas pour les Babyloniens, ça doit en plein là-dedans. Maintenant, Dieu dit qu'il va susciter un autre royaume qui ne doit pas passer à un autre, et dont le règne éternel. Cette petite montagne-là, très bien que c'est détaché sans le secours d'un homme. Pas vrai? C'est le royaume dont Jésus-Christ parle. Préparez-vous le moment où ce royaume de la nation est venu. Et voici pourquoi il suffit de nous le préparer. Tu dis quoi? C'est à ce moment, ça va venir à ce moment. Pour vous, là, ce n'est pas important pour le moment. Là. Vous, voici le roi de ce royaume. Moi, je représente le royaume. Je suis au milieu. Vous devez croire en moi. On y va? Pourquoi le Saint-Esprit parle-t-il ainsi? Répandez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est en train de nous approcher. Et ici, Jésus dit, il faut préalable qu'il soit rejeté et qu'il souffre beaucoup en demeure des gens de cette génération. Cette génération, de quelle génération est-il question? Je veux dire, notre génération, notre question. C'est nous, parce que dans cette famille de Matthieu, il a dit que cette génération-ci ne passera pas que tout cela soit accompli. Donc, nous, alors ça veut dire que nous sommes en danger. Il dit, alors on va le rejeter. Je pose la question, comment est-ce qu'on rejette Jésus-Christ? Parce qu'il a dit qu'il faut qu'il souffre entre les mains et qu'il soit rejeté. Comment est-ce qu'aujourd'hui, par nos actions, par nos façons de faire, on rejette le Seigneur? Parce que c'est lui qui est la parole. Pas vrai? Comment est-ce que nous rejetons Jésus? Ces genres de choses doivent nous amener dans la méditation pour savoir. Vous devez comprendre les gens qui viennent affronter le Seigneur Jésus, ce sont les gens qui lisaient la Bible. Ils leur donnent le rassemblement que vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie. Mais c'est qu'ils vont témoigner de moi. Donc vous pouvez lire la Bible, prendre le couteau, enfoncer bien la règle de Jésus. Après, ça va lire la Bible. Qui veut parler du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez quand le Saint-Esprit entre en action, ou bien quand le Saint-Esprit vous utilise, ou bien comment faire pour ne pas l'effrayer, cette colombe?
quand il vient sur vous, vous pouvez savoir qu'il est sur vous. Ou même quand il est là en action, pouvez-vous remarquer qu'il est en action? Vous pouvez le discerner. J'ai posé la question, Dieu me dépasse dans Jacques, chapitre 33, verset 14. Dieu dit que quand nous sommes niveau au sommeil, Dieu met les soins sur les instructions. Qu'est-ce qu'il appelle par soins sur les instructions? Comment on fait le rêve? Vous ne pensez pas à quelque chose en dernier lieu, il vous montre l'événement qui va arriver et ça arrive. Mais les hommes disent que nous avons la prémonition, d'autres disent que c'est le sixième sens, d'autres disent que ce sont les phénomènes paranormaux, d'autres donnent de ces explications. Parce que non, c'est un phénomène psychique, naturel, et ce sont n'est qu'une coïncidence. Pour vous, qui est le Saint-Esprit? Il n'y a pas. Je vais donner toute la parole maintenant qui concerne cet événement. Vous qui êtes le Saint-Esprit. Quand l'on vous dit, je reconnais qu'il faut que ma mère vienne ici, sûrement elle vient. Il faut que je cherche telle personne, excusez-moi, elle vient. Qui le fait? Moi, vous savez que c'est lui, donc. Et quand on finit par cette bouche d'oeil, on dit que ta mère pompe. Ta mère pompe, tu comprends, non, j'ai le fait, ta mère pompe. Avec cette même bouche qui vient de dire, oh, il faut que le Seigneur nous aide. C'est peut-être ce qui va arriver. Pas vrai? Vous voyez ce qui est quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors, la personne que Dieu choisit, comment-il celle de son histoire? Je crois que si le temps permet, on va parler de ces choses-ci, de la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit ne laisse pas être libre de lui-même, ni libre de ses propres pensées, ni libre de son agissement et de ses décisions. Remarquez très attentivement que la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit, sont fils de Dieu. Donc, conduits par l'Esprit. Ça veut dire quoi, conduits par l'Esprit? Donc, tes agissements sont sous son influence. Tes décisions sont sous son influence. Tes paroles sont sous son influence. Ça, être conduit par le Saint-Esprit. Maintenant, pour que ça soit ainsi, il faut que tu meures. Si le Saint-Esprit ne te tue pas, vous pouvez marcher comme ça ensemble. Il faut qu'il te tue, premièrement. S'il a fait un contact, il tue d'abord. S'il ne te tue pas, vous ne marchez pas. Qui veut la mort? Hein? Non, qui veut marcher sans lui? Je penserais perdre. Maintenant, comment il tue? Le vrai problème avec lui, c'est que si ne le tue pas, c'est vous qui allez le tuer. C'est ça que l'un des problèmes des Saintes Écritures. Donc, mieux te tue d'abord. Hein? C'est pour cela que quand il a pas tué, sinon, on va le faire ce que Judas a fait là. Alors, regardez bien. Le Seigneur dit qu'on sera rejeté par cette génération. On va lui faire du mal. C'est ce qu'on a vu dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Il faut qu'il souffre. Souffler entre les mains. Donc c'est mieux que c'est lui qui souffre, que c'est nous qui souffrons entre ses mains. Quand il a choisi l'apôtre Paul, il a dit de lui que je vais lui montrer ce qu'il va souffrir, comment il va souffrir pour moi. Pas vrai? Ouais. Toutes les choses dont il va souffrir pour moi. Il faut qu'il le traite, il le montre bien. Juste parce que la personne dit que si c'est moi qui vis, c'est plus moi qui vis. Entendez cela? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne peut pas vivre à deux. Quelqu'un d'autre va mourir, quelqu'un va mourir. Oh, lui, il est déjà mort et ressuscité. On ne peut plus le tuer. Donc, souvenez-vous aussi bien, il vous tue. Grave encore, s'il existe la pression sur vous pour manifester sa gloire, vous allez comprendre vraiment que votre chien n'a pas besoin que cette puissance vienne sur vous. Comme le prophète a dit qu'il allait sa main sur lui pour qu'il respire un peu. C'est celui donc qui est symbolisé par la colonne. Alors, est-ce que vous pouvez discerner sa voix dans un discours? Si vous le faites, vous pouvez discerner le plan de l'ennemi dans un discours des politiciens. Pensez, il est incarné par un esprit démoniaque pour délivrer le message maçonnique ou bien les roses corps, le plan des Templiers, peut-être vous pouvez savoir. Vous allez entendre le discours qui va soulever. Wow! Le gars vient parler. Là, vous voyez un monsieur avec la queue des rêves, le fond, comme ça qu'il a parlé là-bas. Les gens sont en train. Vous avez vu moi, monsieur? Ok, on continue à parler. Si vous n'avez pas de question, je vais citer un verset biblique, il va vous dire qu'on puisse y réfléchir. Oui, mon cher. La question
Comment? D'abord, comprenez ce que je viens de dire depuis. Ok, oui. Comment devons-nous alors faire pour, comment dire, pour discerner cela, en fait, discerner quand il est en action et quand il est, comment dire, quand il parle, il vient en action, il parle, il parle en fait. Il faut que tu t'amènes à la mort. C'est la grosse voie, c'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes qu'il t'est tué d'abord. Tu es bref, frère. Mais comment alors accepter qu'il me tue? Parce que j'ai... Il ne sait pas. Est-ce que tu acceptes d'abord qu'il te tue? Oui, j'accepte qu'il me tue. Tu acceptes ça? Oui. Ok. Je vais même passer un instant avec mon frère. Je vais toujours t'attendre à ce conseil, d'accord? On a répondu, tu as posé une question tout à l'heure ici. Jésus a dit dans Luc chapitre 17 que voici nous montons à Jérusalem où le fils de l'homme sera livré entre les mains des païens et de l'homme sauvé. Mais il faut au préalable qu'il s'ouvre pour voir les mains des païens et qu'il soit visité par cette génération. Il n'a pas dit qu'il faut qu'il soit rejeté par eux. Il a dit par cette génération. Donc il accuse cette génération de l'avoir rejeté. La question c'est parce qu'il s'agit de toi. Comment toi, tu es rejeté de Jésus? Comment? Je le rejette dans le sens où je ne lis pas la parole, en fait, la Bible comme elle se doit, je ne la lis pas comme elle se doit, je ne manifeste pas la parole au fait, comme elle se doit au fait. Et là, je suis en train de le tuer. Et puis, si éventuellement je suis dehors et que je suis face à une situation, au lieu de réagir comme la parole me dit, au lieu de réagir comme le Seigneur me dit, je réagis autrement, je suis en train de le tuer. En fait. Donc tu ne réagis pas selon sa volonté. Selon sa volonté. Normalement, s'il était en action en toi, comment réagirait-il? Toujours en conformité à sa parole, pas vrai? Oui. Donc ça veut dire que sa parole ne te gouverne pas. Pas vrai? Ça veut dire que ta volonté agit encore en toi et domine sur toi. Mais qu'est-ce que le prophète dit? J'ai fait prier ma volonté sous sa parole. Donc sa parole gouverne. Il était enseigné qu'il n'avait rien fait autre, il ne pouvait rien faire autre que faire le commandement du Seigneur. Remarquez bien ce que le Job dit dans la parole là. J'ai fait prier ma volonté. Comment il dit j'ai fait prier ma volonté? Comment il a fait pour prier sa volonté? Quand il fait prier sa volonté, ça pense que lui n'existe plus. C'est Dieu. Et remarquez des personnes à qui. Quand Dieu donne le témoignage que celui qui craint Dieu marche dans l'intégrité, c'est détourne du mal. N'est-ce pas mon frère? Alors donc, tu dis, comment faisons-nous pour savoir toutes ces choses-là et au d'abord? La première chose peut-être consiste à ce que tu permets qu'il te tue. Ça veut dire que le Seigneur convainc sur nous et que notre volonté il ne passe que prendre nos propres décisions. Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10. C'est bon. Verset 23. Qu'est-ce que ça dit? Je reconnais l'Éternel, qu'un être humain n'appartient pas à sa conduite. Ce n'est pas l'homme dont il marche à changer ses pas. Là, il a dit quoi pour le moment, mon frère? Comment? Dans la réalité, comment ça se fait? Vous avez suivi l'histoire, vous avez lu dans votre Bible l'histoire de l'ânesse de Kis. L'ânesse de Kis, vous avez entendu cela? L'histoire du roi Saül qui parle jusqu'à avant qu'on le consacre au roi. Vous avez vu ça dans le livre de Samuel, non? Ça commence par l'ânesse d'un monsieur qu'on appelait qui s'était égal. Il dit à son fils,
le plus grand, de prendre le serviteur et aller à la région de cette brebis. Pas vrai? Qui a fait la brebis? Il a demandé au Kéakis. Est-ce qu'il a demandé? Lui a demandé. Quand Saül sort avec ses disciples, avec son serviteur, quoi, est-ce qu'ils savent qu'ils sont sous la direction du Seigneur? Non. Au finish, on voit comment il communique à Samuel que voici l'homme dont je vais t'envoyer quelqu'un de même. Est-ce qu'il a dit à Saül que vas-y, on te prend pour voir? Dieu peut nous diriger sans notre propre volonté. Tu te rends compte que pour eux, ils vont comme ça chercher les brebis de ses parents. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Je crois qu'il faut qu'on va dormir alors. Comme ça, celui-là va dormir. C'est pour ça que tu es. Comment le laisser tuer? Comment suivre tout ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est le Saint-Esprit qui vous l'avez. Oui. C'est pas le Saint-Esprit qui tue. Ou c'est Dieu qui te tue. Ou c'est Dieu qui entre en action. Parce que le Saint-Esprit, lui, il ne tue pas. Il parle pas de la personne du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Il faut que Dieu te tue. Mais nous pouvons. Des détails. Par exemple, quoi? Si pour que le Seigneur nous tue, donc, je veux connaître les détails. Mm-hmm. Les détails de la mort et le processus de la mort. Yeah. Mm-hmm. Bon, ce que je sais que tuer, c'est. Je ne sais pas, bon, quand j'ai tué, le moment, je dis toujours écraser. Mm-hmm. Laisse-moi t'écraser. Mm-hmm. Comment tu. La question, donc, maintenant, est venue, comment faire pour ces effets? Voilà pourquoi je reviens avec la question pour que vous aussi, vous nous donnez quelques détails. Parce que nous savons que la chair, la Bible dit que nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce qu'elles sont contraires à l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre. Seigneur, si tu sais, tu peux me. Tout simplement pour demander, parce qu'il y a beaucoup. Bon, je ne veux pas prendre le cas de quelqu'un. Et que j'ai peut-être le bon Dieu. Non, pas ton cas, justement. Oui. Tu parles. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans tout ça. Quelqu'un. Comme je suis par exemple, ça c'est un exemple. J'aime le commérage. Hein? C'est un exemple. Hein? J'aime le commérage. Bon, là où je parle maintenant, là, je dis que est-ce que ça c'est moi-même qui te demande maintenant. Est-ce que à cause du commérage peut faire que le Saint-Esprit ne vient pas habiter en moi? La visitation, c'est à part, mais il vit en toi. C'est aussi une autre chose. Bien ça. C'est exactement ça. Donc la question c'est, est-ce que le commérage fera peut faire que le Saint-Esprit vient habiter en toi? Oui. Il peut répondre bien. Je disais que si, est-ce que ça peut bloquer la personne du Saint-Esprit pour venir vivre en nous? Ou bien, je m'arrête. Sinon, pour cela, il est important pour voir ces choses. Maintenant, regardez bien que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Vous devez savoir qu'il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent l'esprit. Mais on va aller doucement. Avant d'y arriver, d'accord? Je vais dire adorer. Adorer aussi, on peut dire se soumettre. Bon, ça fait.
adoré le frère. Je vais décider les gens, j'appelle le cadre, non. Dieu est esprit, pour tous ceux qui l'adorent. Hein? Ce sont là les prêtres, les adorateurs que le Père recherche. On va produire, on va passer à la méditation. Oui. Moi, expliquer donc. Il dit que pour qu'on se le fasse de Dieu, il faut que c'est ça, ça soit un esprit. C'est ce que nous enseignons. Écoutez, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est quoi la façon? Obéissance. Obéir au commandement, ainsi de suite, rendre le culte. C'est quoi rendre le culte? Ouvrez le livre de Apocalypse, chapitre 19, là, maintenant. Seconde fois. Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les 24 et les 4 êtres vivants sont prosternés. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Adoré en disant quoi? Amen. Dieu dit, votre cerveau soit avec vous. Vous imaginez la dangerosité de vivre selon la chair à l'homme, non? Oui. Ça veut dire que la célébration, c'est pour cela que le Seigneur a fait que ça soit comme ça. Pour que pour le royaume, ça soit ceux que son esprit imbibe qui puissent y entrer. Parce que la religion peut faire les différentes choses avec selon la chair fait, comme on a fait, c'est de concorder le moment, pour le moment de loin, pour que les gens ne dorment pas, le moment de ceci, parce que le moment d'adoration, la musique douce, d'autres autres moments. Mais ça doit être fait en esprit. Tout ce qui fait fait avec le Seigneur doit être en esprit. Ça veut dire que si ce n'est pas sous les bras du Saint-Esprit, dès le départ, vous avez tout faux, même si c'est bon sur le plan humain. La question c'est, quel est l'impact de notre esprit, ou mieux, quelle est notre, la relation de notre esprit avec le Saint-Esprit? Ou mieux, comment c'est de se conduire par le Saint-Esprit? Ou mieux, comment le Saint-Esprit entre en contact avec notre esprit? Vous voyez, nous pouvons encore faire ça. Vraiment? Je vais vous fatiguer, vous voyez? On ne peut pas travailler dans ces conditions. Ces choses-ci, vous ne pouvez pas faire n'importe comment avec ça. C'est ce qu'on raconte aussi. Ce qu'on raconte avec les célibataires, ce qu'on raconte dans le plan. C'est ça. Ou mieux, on garde la parole, puis seulement. Là où vous aviez entamé, là, c'est très, très, très important. C'est tellement important qu'il ne faut pas qu'on fasse de pourquoi avec cela. Voilà. On fait comment? Bon, ce qu'on va faire, c'est que dès le meilleur chez Jésus, on va se coucher dans la bouche de tous les enfants. Non, on ne peut pas te relancer comme ça. C'est la maman. On va chasser sa maman là. Alors, regardez, dans le livre de Galates, chapitre 5, la Bible déclare que la chair, écoutez bien, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de l'esprit. Donc, sur cette base-là, servir Dieu qui est esprit de façon charnelle, c'est aller dans l'autre sens. Et la Bible déclare que Dieu est esprit. Jésus a été le plus clair. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Maintenant, ouvrez le livre à quoi? Un corps, tout le monde va le faire.
on est obligé de passer par cette phase ici. Il faut qu'on quitte la chaîne du grand jour. C'est fini maintenant les combattants sur YouTube maintenant. Parce que même si vous avez 200 000 sur YouTube, 400 000 abonnés, si le Saint-Esprit n'est pas derrière, c'est les démons que vous allez vous rester comme ça, parce que ça ne sert à rien dans notre voyage. Regardez, le Seigneur dit dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 19, il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui voulait aller pour être investi, en partant à donner le service à Jean, à un talent, à l'autre, 5 talents, à l'autre, 10 talents, à chacun selon ses capacités. Lorsqu'il te donne quelque chose que tu dois faire, ce qu'il attend, c'est la reproduction, que tu sois fidèle à la tâche qu'il t'a accordée. La tâche qu'il t'a accordée. Et la Bible explique, si vous lisez le livre de Marc, chapitre 13, verset 35, que cette tâche qu'il accorde, accorde automatiquement de l'autorité, quelle que soit la tâche. Si le Seigneur t'accorde la tâche de t'occuper seulement des enfants et de donner le conseil aux veuves, ça donne autorité dans le royaume. Le royaume investit sur toi pour te donner autorité. Maintenant, si Dieu t'appelle maintenant, que tu restes à la maison, tu conseilles les jeunes filles comment aimer leur mari. Mais c'est un pays dehors. Qui t'a envoyé dehors? Ça sera bon sur toi, mais c'est ce que je me dis. C'est ça, être conduit par l'esprit. C'est-à-dire que si Dieu te conduit, voici ta tâche, reste ici. Je crois que c'est aujourd'hui que nous disions dans l'une des deux chroniques, on parlait des archivistes, des gens, des portiers, des gens de ménagerie. Chacun restait à son poste. La personne qui devait tuer le feu était responsable de tuer le feu. La personne qui était le portier devait rester à la porte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. J'ai dit quelques blagues là. Un collège peut le dire. Disons les deux premiers versets. Comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles humaines. C'est pourquoi je vous déclare, nul ne parle nul. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Oui. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Seigneur. Voilà, c'est ça. Voilà ce que c'est compliqué. Les choses sont dites. Il dit nul, s'il parle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas faire une erreur pour appeler Jésus-Christ à la terre. Il veut que Jésus est maudit. Et pourquoi, au contraire, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit confirmer que Jésus-Christ est le Seigneur. Maintenant, il pose la question. Quand vous disiez, la quand c'était un ennemi, il a dit quoi? Que Jésus-Christ. Qui a lu? Qui a lu ça? C'est lui-même. En effet, Jésus-Christ est le Seigneur. Qui vous a dit? La parole. Mais on dit beaucoup, on ne peut pas dire que le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez le problème là? Alors, comment savoir que le Saint-Esprit dit cela, que Jésus est le Seigneur, effectivement? Parce que vous lisez, vous demandez qui est le Seigneur? C'est Jésus. Donc on peut dire Jésus est le Seigneur par connaissance. Et puis c'est là qui est écrit, c'est là qui est écrit comme ça. Donc il faut le rencontrer avec le Saint-Esprit. Vous voyez le problème? Il faut que le Saint-Esprit gouverne tes pensées. Si le Saint-Esprit ne gouverne pas tes pensées, vous allez remarquer qu'il y a l'esprit de l'erreur qui va venir chaque fois. Il faut donc une décision radicale pour commencer. Ce qu'on a vu dans la première partie, c'est notre attitude. On va revenir là-dessus parce qu'avec cette crise, notre attitude face vis-à-vis de la parole. Remarquez les actions de Josué qu'on a vu dans cette partie-là. Les actions de Josué. On sont allées dans le sens de la marche dans la parole. Pas vrai? Au cours de cette crise, on n'a jamais célébré une Pâque. Comme cette Pâque de Josué-là. Alors, notre réponse, si vous regardez encore, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si notre cœur, la parole sort et que ça vient dans notre cœur y demeurer, ça devient esprit, ou mieux encore, ça devient Christ en nous, à cet instant-là, le Saint-Esprit commence à te gouverner. Ton cœur ne peut plus être bougé de façon à gauche ou à droite. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. Vous suivez cela, frère? Il veut donc que la parole soit esprit. Si sa parole n'est pas esprit, vous allez lire, ça va se rendre compte. Vous allez remarquer que quelqu'un veut faire l'effort pour ouvrir la parole de Dieu, il ne parle pas à vous. Parce qu'en réalité, Dieu a mis. C'est pour cela que si c'était la bonne pratique qu'on puisse pratiquer pour pouvoir vivre, on aurait le problème. C'est que tout le monde pourra faire ça pour entrer au paradis. Il faut que ce soit par l'esprit.
côté du Ézéchiel chapitre 36. Oui. Ézéchiel chapitre 36. Le verset 22 à 36. Regardez seulement quand vous êtes en colère. Savez-vous que la colère contre quelqu'un est équivalente, si vous regardez dans le monde spirituel, regardez bien. Je dors pour que j'attends que ça fasse, que la colère passe. Vous savez que la colère que vous devez faire par rapport à quelqu'un, c'est exactement comme l'équivalent. Vous savez, quand les militaires vont en guerre, il y a peut-être qui peut qui utilise la tue, ça va vraiment pour exploser là. C'est ce que vous faites contre cette personne-là. Je dis sur le plan spirituel, c'est ce qu'on fait. Vous envoyez une bombe à la direction de la personne, la colère. Vous savez cela? C'est pour ça que la Bible déclare dans un Jean, comment? La colère contre quelqu'un. Et la Bible dit même que si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite de quoi? Il est meurtrier. Hein? Il mérite d'être puni. D'être puni. Qui ne sait pas comment il est en colère contre son frère? Et la Bible déclare que donc, si quelqu'un est son frère, c'est un meurtrier. Donc vous voyez que finalement, c'est-à-dire que votre colère est arrivée à la haine, donc vous avez envoyé la personne à la haine. La personne qui marche dans la moto, quand on trouve la vampire au village, c'est toi qui as tué. C'est pour ça qu'on a des bonnes paroles. Donc le lieu de résidence, notre cœur doit être travaillé. Et le travail commence par rapport à notre réponse vis-à-vis de la parole. Le cœur qui lit la parole entend la parole et sélectionne celle qui lui plaît, ça ne peut pas marcher devant le Seigneur. Si vous lisez, quand vous prenez la parole là, vous lisez. Jésus a exagéré ici. Remarquez bien ce qu'il a dit. Peut-être nous regardons comme ça. Nous sommes de voir comment on le tue. En quittant la scène dans Matthieu 28, il dit à ses disciples, allez faire des nations des disciples. Il dit, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, enseignez-les à observer tout ce que Jésus a prescrit. Donc, tout ce qu'il a prescrit doit être observé. Donc, enseigner afin qu'on observe. Et qu'on enseigne, il dit, sinon il a exagéré. Donc, tu aurais souhaité qu'on écrive ça autrement. Ou mieux que qu'on ne te dise pas telle ou telle chose. Et quand vous avez, quand quelqu'un arrive sur une voie, il dit, j'ai ma relation personnelle avec le Seigneur. Mais chacun a sa relation personnelle avec le Seigneur. Tous les juifs qui étaient devant le Seigneur, avec chacun avait la relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et après, quand ils se comme ça, on l'inclut automatiquement parce qu'ils sont les descendants de cette foi. Donc ils ont une relation particulière. Mais la Bible déclare que Josué, lui, avec Caleb, ne s'est ni à gauche, ni à droite. On va voir tout cela avec la parole. C'est pour ça que c'est le premier thème qu'on a abordé, il faut qu'on voit cela en profondeur. Vous allez me permettre de parler de cela même pendant 4 ou 5 heures. La parole. Parce qu'en réalité, c'est ça. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui se fait sauver vos âmes. La parole qui sort dans cet esprit, ça rentre en vous. C'est ça qui crée le contact d'abord. Si le contact est créé, regardez bien. La lumière vient frapper là-dessus, un peu comme la semence qu'on mettait en terre. Quand la lumière vient, ça commence à produire. Ça produit. La lumière vient, il n'y a pas de semence, on ne produira pas. Il faut que la parole sorte. Mais la parole doit être la parole esprit. Alors, lorsque nous disons la parole, quelle est la réaction que vous avez vis-à-vis de cela? Est-ce que vous travaillez à la parole de Dieu? Vous savez, ça veut dire avoir peur. Non. La réaction doit être propre à l'intérieur. Quand vous voyez votre cœur touché alors que vous allez écouter la parole, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que le Seigneur avait bouleversé le champ, bouleversé la terre, vous avez frayé un chemin. Ça va vous faire mal. Au point que quelqu'un entend, tu entends quelqu'un, souvent c'est comme si le cœur vous fait vraiment mal. Mais là, ça va s'en suivre dans la vie. Il doit y avoir une réforme des voies. C'est-à-dire que vous décidez maintenant d'agir en conséquence par rapport à la parole que vous avez écoutée. Ou bien ce que vous avez écouté. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, si quelqu'un écoute ma parole, il a son juge, la parole qui est claire. Quelqu'un qui attend de toi la parole et ressent peut-être comme un. C'est que la parole n'entre pas le pire.
Non, pas au pied. Ah, non. Je ressens les frissons. Ouais, oui. Ça frôle les cheveux quand on est dans le cœur. Quand on prend des frappes, ça frôle les frissons. La chair de cœur pour sucer le sang dans le cœur. Regardez bien. Très souvent, il y a des gens qui ont le démon accroché sur leur peau, même sur leur corps. Même sur le cou comme ça, là, comme ici. Le démon accroché là-bas. La parole, je viens d'un âge qui était intéressé, tu vois. Déjà, vous êtes plus à cause de la parole que vous avez écouté. Ça enlève, coupe, ça dégage. Parce que la parole libère. Dans le psaume 107, le verset 1, il a envoyé sa parole est guérie. D'accord? Il envoie sa parole guérie. C'est pas qu'il a dit que parole, va, guérie. C'est pas ça. Il parle et la guérison vient là. C'est ça dans ce psaume, Proverbe chapitre 13, là. Il dit quoi? Il dit que les lèvres du sage apportent la guérison. Pas que tu dis que sois guéri, sois guéri. La parole que tu prêches, ça donne la guérison. La parole que tu prêches, ça donne la vie éternelle. Ça met l'immortalité en exergue pour que les gens y entrent. D'accord? Parler avec, je crois que dimanche, hein, avec les Benjamins, je me suis. C'était dimanche. Bon. Si, on parlait, je viens sur. On parlait de. Si je me souviens, si je ne me souviens plus, vous m'avez questionné. On parlait de la présence. La sœur avait questionné. On est arrivé jusqu'à là où on parlait de la présence de Dieu. La gloire de Dieu, il y a encore quelque chose là que j'ai vu. La puissance de Dieu. La manifestation. Donc, comment vous parlez là, ça me vient. J'ai envie de passer, mais ça revient. Donc, on était sur ça. Je ne sais pas si moi j'étais quitté tôt, s'ils sont restés encore à détailler, mais moi je reviens encore sur ça. Allons avec nous. Moi je n'étais pas là. Oui. Vous parlez de quoi? C'est la présence de Dieu. On était en train de questionner parce qu'on voulait réellement connaître les éclaircissements. Donc, on a noté que la puissance de Dieu, la gloire de Dieu et la présence de Dieu pour connaître les éclaircissements de ces trois choses. De ces trois choses. Oui. Mais Dieu lui a déjà donné l'explication. Dieu dit par exemple que si tu peux voir sa puissance, prends une mouche, tu peux voir sa puissance. Est-ce qu'il a dit non? Tu as vu ça la Bible? Parce que si je prends une mouche, tu vois pas sa puissance. Ok, si je prends la mouche, après qu'est-ce qui va arriver? Tu vois sa puissance. Les perfections invisibles de Dieu. Sa divinité se voit à l'œil nu. Dans la capacité, ils sont donc inexcusables. C'est la Bible déclare. Mais le problème, c'est qu'en temps de cause de toute la puissance, il faut enlever le domaine de la puissance, tu as le valet, c'est les guérisons, ou bien les gens. Mais Dieu dit qu'en prenant la foule, la feuille. Donc on doit aller considérant. Si on réfléchit bien, vous allez voir la puissance de Dieu. Parce que personne ne peut faire une feuille. Dès que vous cueillez une fleur comme ça, ça tombe. Personne ne peut plus les faire. La mouche, la fourmi. La fourmi parvient à manger, vous voyez son ventre, même son ventre, il faut observer son ventre dans le microscope. Mais il mange parce qu'il est rassasié. Il est la fourmi. Donc Dieu nous a déjà montré qu'il est puissant. D'accord. La présence de Dieu qui amène sa puissance, qui se manifeste, c'est différent dans différentes versions. Parce que maintenant, regardez par exemple, vous écoutez la parole et que la parole détache un fardeau de vous. Suivez par exemple l'apôtre Paul, il a le prêcher. Et puis il se tourne là et dit. La Bible éclaire, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit, lève-toi et marche. La Bible déclare Dieu opérait au travers des miracles extraordinaires dans la vie de l'apôtre Paul. Mais ça, c'est pas juste là, c'est pas la puissance de Dieu. Le miracle que tu veux de voir, la mouche, parce que ça, elle peut être limitée. Mais la mouche, la fourmi, elle peut être sa puissance pour la guérison. Et la mouche, observe-toi. Le fait que toi, tu es comme ça, tu t'observes, tu vois les herbes vertes, ça montre la puissance de Dieu ne fait pas de bruit. Alors, c'est plus puissant encore que le miracle de guérison. Parce que Jésus a dit que prolonger le jour, c'est si peu.
C'est-à-dire qui parmi vous, par les soucis de sa vie, peut ajouter une coulée, une durée de vie à sa vie. Et il dit, si nous ne pouvons pas le faire, même si c'est aussi peu. Donc ajouter la durée de vie, elle peut. Il suffit que Dieu dise une prolongation, 15 ans, comme vous dites, elle est prolongée. Mais regardez les plantes, observez toutes ces choses. L'harmonie qu'il y a entre les planètes, la cohésion entre les choses sur la terre, dans les cieux. Vous voyez dans les environs, vous voyez. Vous voyez, les gens commencent à mentir que non, il y a des problèmes de réchauffement climatique sur la Terre. Et vous voyez que la grande partie de la Terre n'a même pas de problème. Ils sont cramponnés dans un système, dans une ville. Leur ville les étouffe avec un truc qu'ils font là-bas. Il y a des problèmes sur la Terre. Il y a des problèmes sur la Terre, frère. Donc, la puissance de Dieu, c'est quoi? Il a dit que trouver la puissance, je vais tenter d'observer. Si quelqu'un ne voit pas ça, il est inexcusable. D'accord? Pour ce qui concerne la présence de Dieu et la gloire de Dieu, c'est de ça dont nous sommes parlé maintenant. C'est ça dont nous parlons là. Alors, comment amener la présence de Dieu sur la scène? C'est ça le problème. Comment amener la présence de Dieu? Nous sommes les portés de Dieu maintenant. Nous ne faisons pas le service avec moi comme Moïse et lui, avec tellement la gloire. La gloire n'est pas la même comme les pasteurs font sur le stade, on pompe la vapeur derrière là, pour imiter. C'est pas ça. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit manifesté dans les êtres au moment où on porte par le Saint-Esprit. Il amène sa présence sur la scène. Maintenant, sa présence ne se manifeste pas toujours par les guérisons. C'est pour ça qu'il faut la question. Quand le Saint-Esprit peut venir, il peut venir, il passe, son action, il part. Quand David chantait, c'est là. La présence de Dieu était là, pas vrai? La preuve, voilà ça dans les Saintes Écritures. Et on dit par exemple qu'ils ont tiré mon vêtement, ils ont tiré sur mon vêtement, les chiens et les chiens m'environnent, les courants de bâtard m'environnent. Ils ont même tiré au vêtement, ils ont tiré au sort au vêtement. Ils ont partagé le vent, ils peuvent tous compter les maisons. Quand ils chantent sa chanson, ceux qui sont à côté savent qu'il a des prophéties, ils ne savent pas. Voilà, la présence de Dieu était là. Quand il écoute sa guitare, il dit qu'on n'a pas dit sa pêche. David est David. Et plus tard, le Seigneur est là. Vous faites cela. Et donc, la présence de Dieu ne vient pas tout simplement pour faire pour se promener. Il vient pour un but bien précis. C'est ça le problème. Donc on ne peut pas faire ça. Il faut que je fasse comme ça que la présence de Dieu soit là. Le vrai problème, c'est ici. Si nous sommes pour lui, à tout moment, quand il peut nous utiliser, il en a en action. C'est ça le problème. Donc notre rôle, ce n'est pas de chercher sa présence, mais c'est de chercher à lui être agréable. Après que nous soyons une base de nécessité, c'est ça que nous enseignons. Tu montes, je fais de Dieu. D'accord? Il dit que le Seigneur, c'est ce qu'il a bâti. Il dit que dans ce grand moment, il parle de ce que la. N'est-ce pas? Waouh! Ça, c'est fait surtout pour les rois. Donc, comme vous êtes les reines et les rois, c'est ça qu'on a choisi là pour vous servir. Pas vrai, ma soeur? Ça, c'est l'usage, quoi. Oui, ouais, ça. Que les temps des comptes de femmes, la soeur va dire que l'on soit payé. Ça, c'est précieux. Voilà le vase de l'usage vide. Mais ça qu'on a quand même utilisé, c'est si. Il dit que si quelqu'un est vase d'honneur, il se nettoie lui-même dans le stade. Ça ne signifie pas vrai. Ça ne signifie. Et ça, c'est prêt à l'usage de Dieu. Qui veut être. La consultation, ça commence par la parole. Alors, il dit donc que si quelqu'un fait ces choses-là, il sera un pas de l'homme. Et tu prends de l'homme qui lui sommeille. Donc, c'est ce qu'il faut que nous devons faire. C'est la sanctification qu'il faut faire. Alors, la réaction vis-à-vis de la parole, non, amène la sanctification. Amen. C'est pas la question, on parle de mieux dans la justement, en fait, quand tu lis la parole, il faut être prompt à obéir par rapport à la parole. Mais en obéissant à la parole, c'est toujours cet esprit qui te commande, qui quelque part te pousse à obéir à cette parole. Mais, c'est un peu confus en fait. Comment c'est confus, frère? Donc, ça veut dire au père qu'il faut qu'il soit là pour te pousser à lire et à obéir. Il soit là, il soit là. Hey. Vous avez vu la vie catholique, non? Oui. Quand on demande les tubes, comment parler de la liturgie, des calendriers liturgiques et les différents passages. Quand tu disais le passage, c'est lui qui te pousse à lire. Ah, vraiment, je ne sais plus. Quand on disait qu'on reste malgré le petit malgré celui qui te faisait le frère,
Job dit directement ça parce que Job a dit, j'ai fait plier ma volonté sous sa parole. Aujourd'hui, nous avons vu que Joseph, quand il a entendu les paroles du livre, première version. Maintenant, on va dire à quelqu'un que, les photos de Jésus, les différentes choses qu'on a pris au village là. Ça, le Seigneur peut faire ça. Parce que la Bible déclare qu'il ne te prospère devant aucun humain taillé. Il te regarde, vous savez, amen, c'est vrai. Après, il regarde son œuvre, j'avais dit non, c'est mon grand frère qui avait pensé que c'est ça là. Pourquoi cette personne, si elle a reçu de la parole, ça va l'arriver. Mais Joseph, maintenant, quand Joseph a fait, quand il a fait d'abord, il a piché ses vêtements. Premier jour, il a mis hors d'état de vie tous les idoles. Donc, il est prompt à mettre en pratique cela. Il y a des gens qui l'écoutent. Il dit, la musique est morte. Il dit, Ecclésia, Ecclésia, quand tu chantes, c'est bon. Que fait Joseph que la musique n'est pas bonne? Il croit qu'il est question de moi, pas vrai? Il est question d'un esprit qui inspire quelque chose. Il est question de, en acceptant ces choses, acceptant cet esprit qui est derrière. C'est ça, pas vrai? Et il est question aussi, en se séparant de cette chose-là, vous vous séparez et vous divorcez de cet esprit-là. Alors, quelqu'un qui conserve quelque chose, c'est nécessairement très cher. Quand j'entends ça, j'ai la chair de poule. Mais il y a son non-sens sur toi. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qui va avec quelqu'un qui croit sur toi? Si tu écoutes la parole, il faut se séparer, il faut se débarrasser. Alors, vous allez, quand dans la progression, vous allez remarquer très attentivement qu'il n'y a pas d'évolution avec le Seigneur sans au préalable être séparé littéralement avec les idoles. C'est la suite, c'est comme ça que la Bible est présentée. Vous ne pouvez pas avancer. Regardez le Seigneur. Toi, suis-moi. Il voulait moi je suis. Il marche avec le Seigneur. Toi, suis-moi. Seigneur, laisse-moi d'abord aller dire au revoir, amen. Laisse-moi, il attend, il entend d'abord mon père. Parce qu'il est vraiment malade. Il attend. S'il parle bon là, il peut mourir par derrière parce qu'il faut l'enlever. Vous avez deux catégories de personnes, pas vrai? Celui-ci ne peut pas aller loin avec le Seigneur. Parce qu'il là, il va devant en regardant les choses derrière. La personne qui part avec le Seigneur pour avancer, c'est la personne qui part sans regarder derrière. Parce qu'à coup sûr, là où vous êtes, si vous entendez une voix maintenant qui parle du ciel, nous sommes sur le village, c'est mercredi, c'est jeudi. Nous sommes vendredi là maintenant. Demain matin, c'est samedi, pas vrai? Comment? Nous sommes vendredi matin. Ok. Qui va aller au travail? Toi, tu vas travailler, ça? Vous ne travaillez pas? Non. Toi, tu vas travailler. Tu vas y aller? Prenons l'exemple de la notre sœur, c'est notre compagne. Notre sœur, c'est aller à 7h. Normalement, il faut qu'on ne pas dormir pour qu'on ce matin. Supposons que vous devez travailler. Elle va travailler à 7h, c'est ça? C'est quelque chose à dire qui dit. Si j'ai ton programme, tu veux. Combien de temps? Il parle de 29h. Maintenant. Si vous souhaitez, mon peuple, vous êtes les élus. Préparez-vous à 11h demain, je me manifesterai. Tu vas partir pour le travail? Non. Tu vas partir au travail en ce pays? Oh non, non. Comment vous répondre pour elle? Elle peut dire que non, le travail, c'est le travail. Si je vous partir, de toute façon, même si vous rêvez que le travail là, vous allez chasser ça au nom de Jésus, pas vrai? Il y a des mots qui se mettent pour le travail. Dieu a dit que tu es le verset qui va sortir le monde. Tu mangeras la chair de ton front. Chasse les démons. C'est pourquoi il faut marcher selon l'esprit. Parce qu'on marche selon l'esprit, vous allez remarquer que chaque pas, comme on a vu dans ce livre de Jérémie, je peux le dire, verset 23. Je reconnais au éternel que ce n'est pas à l'homme, alors qu'il marche à diriger ses pas. Regardez seulement ces versets à l'esprit et méditez-les. Si vous faites comme ça, vous faites confiance à Dieu. Vous allez faire confiance à Dieu. Vous dites, Seigneur, je te fais confiance. Quand les gens disent que c'est il y a l'enterrement de mon papa au village, les saucisses sont réunies. C'est la peur comme ça qui commence à faire comme ça. Frère Junior, je pars. Vous voyez, comme ça, c'est le jour où on dit que tu ne te parles pas. À l'enterrement de ton père, c'est le frère Junior qui avait dit. Si pas maintenant, on arrive quelque chose à lui dire ce frère Junior qui avait dit. Donc, à l'aller et au retour, je suis accusé. Tu vois, quand il est arrivé à le message, quand il dit que ça, il ne répond pas, il continue à aller la vie. Finalement, la décision est de toi. Parce que je dois avoir confiance à la parole. Vous voyez?
Maintenant, quand tu prends la parole, la parole dit quoi? Ce n'est pas à l'homme, lorsqu'il marche, à diriger. C'est ça. Tu dis, Seigneur, je m'en remets entre tes mains. S'il faut aller, tu vois. S'il ne faut pas aller, tu vois. Quand on va faire, j'ai forcé de ma propre volonté, n'importe comment, je ne suis pas allé au dernier. Vous voyez, c'est moi, tout ce monde au mur, donc je suis venu. Je suis là. Dès qu'il y a pas, il ne peut pas avancer, il ne peut pas avancer, il ne peut pas avancer. J'ai fait des choses pour moi, je ne peux pas faire. Ton propre frère. Oui. Et maman, oui, je me souviens aussi d'une chose comme ça là. Elle est plus jeune qu'elle a deux ans. Elle est vraiment, je ne sais pas comment dire, vraiment on était tout le temps ensemble. Le soir, c'est beaucoup lié. On dormait même ensemble. Mais quand elle est morte, j'étais déjà en train de chercher toujours Jésus contre le chef du contour aujourd'hui. Tu n'as pas encore trouvé. Jésus là, il aime se cacher. Hein. Quand on annonçait là qu'elle est morte, je ne peux pas me lever. C'est comme si on m'a attaché seulement ici à la maison. Et les gens venaient demander que, mais c'est incroyable, est-ce que c'est toi qui peux t'asseoir, tu ne parles pas là, même voir comment on a fait. Mais c'est, même si tu es encore même bébé, tu connais que quelque chose se passe. Et c'était en train de parler, ça venait me dire ça à domicile, à la maison, je les regardais seulement comme ça, je n'avais rien à dire. Il dit que, mais tu es là. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Il y a certaines choses que je ne partais pas quand j'étais en Afrique là-bas. Parce que je suivais déjà le Seigneur. Tu ne peux pas partir. Tu vois vraiment que là, ce que tu as envie de porter là, ce n'est pas ça. Mais tu veux. Alors que ici, on a dit que quand la sœur m'a seulement dit que frère Junior est ici, je la pressais même, Carole, j'ai dit, je veux faire tout. Pour être là, il est venu pour moi ici, là, à Francfort. Donc, même comme la porte était fermée, ma porte s'est bouclée, la clé était derrière. Mais, Dieu savait toujours que j'ai décidé de venir. Et comme Dieu le voulait aussi, je dormais seulement comme ça pour attendre l'heure. Et l'heure arrivée, je me suis levé. Donc, même s'il voulait venir me faire quoi, il a fait d'abord les manifestations à la maison, il est venu encore faire le pied. Dieu merci. Il est vaincu, n'est-ce pas? Il est vraiment vaincu. Ça veut dire, dis-moi, ça sera chaud ici, quoi. On va prier, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit contrôle nos mouvements, nos actions, nos façons de parler, nos mains, nos lèvres, nos mains. En fait, il conduit tout. Il peut même conduire même des animaux. Vous savez cela? Être conduit par le Saint-Esprit. Pour être conduit par le Saint-Esprit de la manière de la parole, telle qu'on voit dans la parole là, votre réaction vis-à-vis de la parole dans la Bible importe. Vous suivez, frère? Ça, c'est pour les croyants. Ça, c'est pour les croyants. Parce qu'il conduit même les ennemis à venir servir ses enfants. Amen. Ce que je veux dire là, c'est une totale dépendance, totale écoute, totale vie avec et auprès du Père. C'est ça notre chose. Parce qu'il dit à l'époque, aujourd'hui, quand nous avons lu Pharaon Nico qui est monté, il a dit que Dieu lui a parlé. Donc, vous voyez, Dieu veut parler lui-même à ton dominant. Il a parlé à la banque, non? La balle, quand tu vas passer la balle, tant que tu peux te toucher à Jacob, même pas en bien, même en mal. Il lui a dit ça. Quand il a fini de dire ce discours, il a pris ses dieux, il est rentré. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Bonne nuit. C'est pas facile. On commence à 7h, non? À 11h, c'est ça?
11. Après, quand on sera plus en forme. Donc, même si demain matin, on fait de tête pour tout le monde, on va se mettre pas mal. Parce qu'il a pas sa parole, sa parole. Il a agi dans le silence.